Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est avec APR pour un challenge, mesdames et messieurs, aujourd'hui, et ça va être très très cool. Et donc du coup, on va s'affronter les gars sur Satisfactory. L'objectif, ça va être de réaliser un défi sur mesure qui a été proposé par l'UIMM. Et du coup, ils nous ont proposé de nous affronter, APR et moi, et on était très très chaud pour ça, et vous allez pouvoir suivre un petit peu ce duel de speedrun. Moi, j'ai une petite photo de mes deux compères, Charlie et David. Et bravo, je suis mon ref. Dans mon oreillette, que ça y est, vous êtes arrivés au bout. Salut David. Salut Sky, bienvenue à Lyon. Ah bah merci mec, bah c'est grave joli et tout, content d'être ici. Tu m'avais régalé sur Twitch, on avait affronté Pierre, on l'avait un peu défoncé avec Charlie. Bah écoute, aujourd'hui je découvre ton univers, t'as découvert le mien et j'ai hâte de voir. Donc là, première étape, on s'arrête dans un atelier. On a un module robotique qui est dispensé juste à côté avec ma section. Puis là, on a une belle ligne de production. Ouais, elle est grosse, hein. Ouais. En vrai, c'est impressionnant. Ouais. Et du coup, par rapport à ton parcours scolaire, t'en es où du coup actuellement? Bah là, je suis en deuxième année de BTS maintenance, en alternance. Ça va faire 5 ans que je suis en alternance d'ailleurs, parce que j'ai même fait mon bac en alternance. D'accord, ok. Et j'ai choisi l'alternance pour plein de raisons. La première, je pense que c'est l'indépendance financière, forcément, ouais, avoir un salaire. Ensuite, c'est d'être sur le terrain tout de suite, vraiment. D'être confronté à ce que pourrait être du coup mon quotidien plus tard quand j'aurai fini mes études. Ouais. Et puis aussi, il y a l'approche en fait finalement qu'on va retrouver dans les centres qui dispensent des formations en alternance, parce qu'on quitte un peu l'interaction entre professeurs et étudiants. C'est plus vraiment, c'est professionnel à professionnel. Okay. C'est vraiment, c'est presque comme si on avait un collaborateur face à nous. Donc voilà, c'est une approche beaucoup plus professionnelle et plus terre à terre, plus technique. Donc c'est vraiment concret, quoi. Pour moi, l'alternance, c'est la voie royale. Donc là, Sky, on se retrouve dans un autre atelier. Mm-hmm. Là, pour le coup, on est un peu plus dans le cœur du sujet, on va dire, parce que c'est ici qu'on dispense des cours sur les machines qu'on voit derrière nous. C'est des machines pédagogiques qui peuvent même imiter des pannes. En fait, ça nous met en condition réelle. Et voilà, donc c'est de la maintenance pure. Donc là, dernière étape de notre petit tour, Sky. Mm-hmm. On est dans une salle électrothèque avec beaucoup de platines pédagogiques. Ici, on forme des gens qui sont soit déjà intégrés, ou des gens qui veulent s'intégrer finalement dans le secteur. D'accord, ok. Et j'ai vu que ça recrutait énormément l'industrie, c'était genre 125 000 par an. Ouais, 125 000 personnes. C'est énorme. En moyenne, les formations évoluent parce que le monde de l'industrie évolue. C'est toutes ces choses-là qui viennent finalement balayer les préjugés qu'on pourrait avoir sur le milieu industriel. Bah David, c'est trop cool. Bah merci à toi en tout cas d'être venu. J'espère que tu auras passé une bonne journée. Ah, c'était super bien, super intéressant. J'ai adoré, ouais. Merci beaucoup. Moi je te laisse, faut que j'aille en cours. Vas-y, hein. Bah bon courage mec. Bah merci, ciao. Au revoir.